cause de bons problèmes qui, ben, l'artiste peut gagner actuellement, notamment, un lieu pour faire concert, qui fait, pour qu'on, l'artiste pas gagner un PMI. Écoute, c'est l'arrivée, ça, one-stop-shop, qui je t'y prévois, je t'y dire. Justement, ce que le ministre nous confirme, nous, c'est qu'une chose est sûre, ça va nous faire PMI là pour finir résoudre, il peut prendre le temps parce qu'il va venir nous un seul ministère, il nous plusieurs ministères. Et il y a aussi ces affaires décibels là qui essayent de trouver une solution pour ça. Et que ben lui spécifique qui promet en galère et lui peut revenir sur ce même sujet là. Donc je suis encore dans une balance, est-ce que j'ai besoin de mettre un podium pour ban autiste ou pas mettre, lui me proposer pour pas mettre podium là, mais d'un jeu de lieu. Les yeux de faire des concerts. La réunion passait positivement. Déjà, la présidente Joël Corrette, l'une demande, sa première demande, c'était est-ce que le gouvernement et le ministère des Arts et de la Culture pas capable d'essayer de trouver une formule pour des dommages aussi à une partie, pas dans la totalité, mais tout ça, ban concert qui n'a ni les là, ban perte qui se tient subir. Et là, le ministre Ndiakouli, à ce niveau, il n'est pas capable de faire ça. L'étant, moi, me propose pour essayer de trouver une aide pour, parce qu'ils ont dit il y en a beaucoup d'artistes qui pas travaillent. Il y en a aussi d'artistes qui me fait bien chez le ministre comprend qui étaient dans les enfants pas voulu que les enfants. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y trouve une formule pour lui donner pas d'artistes qui pas fait travail un grant ou un pas connu une aide financière pour lui capable de subvenir des gens sur bas enfants. Monsieur le ministre, pas de répondre moi tout de suite. Évidemment, à ce niveau, il faut bien un petit peu plus là-haut qu'il est pour être capable de donner une réponse à sa question-là. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.